Hussein de Jordanie et Rajwa Alsef se sont dit oui ce jeudi 1er juin. La cérémonie a été perturbée durant quelques minutes. Les mariés ont eu beaucoup de mal à se passer la bague au doigt. Ce jeudi 1er juin, le prince Hussein de Jordanie s'est marié avec Rajwa Alsef lors d'une cérémonie organisée pour cette occasion. De nombreuses personnalités étaient conviées, dont notamment le prince William et Kate Middleton. Tous étaient réunis au palais Aran pour célébrer leur union, mais ce mariage aurait pu mal se terminer. Juste après la prière traditionnelle, Rajwa Alsef a tendu sa main au prince Hussein de Jordanie. Ce dernier devait lui glisser son alliance sur son doigt, mais il y a eu un petit moment de gêne. Le fils aîné de la reine Rania de Jordanie et du roi Abdallah II de Jordanie a pris beaucoup plus de temps que prévu, ce qui a beaucoup amusé les mariés. De leur côté, les invités ne semblent avoir rien remarqué, mais l'incite de ceste de nouveaux produits avec le prince Hussein. En effet, ce dernier a tendu la mauvaise main, à savoir celle de droite, contrairement à celle de gauche, où se trouve l'alliance de mariage. Le mariage de Hussein de Jordanie et Rajwa Alsef était un moment merveilleux pour le couple, malgré quelques moments assez gênants. Après avoir tendu la mauvaise main, le prince Hussein s'est rapidement ressaisi. Les invités n'ont toutefois pas remarqué ce petit couac, qui a beaucoup amusé les mariés et leur a ainsi permis de se détendre durant ce moment stressant. Un petit instant d'incompréhension qui n'a duré que quelques minutes et la cérémonie a pu reprendre son cours par la suite. Pour cette occasion spéciale, Rajwa Alsef avait opté pour une longue robe blanche, portée près du corps. Les manches étaient longues, il n'y avait pas de décolleté ou de jambes apparentes. Une tenue qui était accompagnée d'une traîne, qui partait des hanches et qui était brodée sur les extrémités. Rajwa Alsef porterait également un diadème et un voile, aussi long que sa traîne. Mariage d'Hussein de Jordanie et Rajwa Alsef, des invités très particuliers. Le mariage d'Hussein de Jordanie et Rajwa Alsef était très attendu et nombreuses sont les personnalités qui ont fait le déplacement. Pour cette occasion spéciale, il y avait notamment le prince William et son épouse, la princesse de Galles, Kate Middleton. La duchesse avait opté pour une robe rose pâle décorée de dentelle et signée Elisab. Il y avait également les rois de Belgique et des Pays-Bas, mais aussi les princes et princesses héritiers US du Danemark et de Suède. Durant cette cérémonie, Rajwa Alsef a pu compter sur le soutien de ses demoiselles d'honneur, ses deux belles-sœurs, les princesses Iman et Salma. Elle a été conduite à l'hôtel par son beau-frère, le prince Hachem. Une union qui lui a permis de vivre un véritable conte de fées. À propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi, passionné par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Friends 2 ans. Ses derniers articles, Thomas Pesquet se confie sur les effets secondaires dont il a été victime suite à son retour sur Kylian Mbappé, Thomas Pesquet. La liste des invités surprises des Enfoirés 2022. Thomas Pesquet bientôt candidat à la présidentielle? L'astronaute a reçu un parrainage.